أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، on arrive à la fin de la Fatiha. Wallahi, je suis un peu triste quand même. Parce que j'étais content d'être avec vous dans cette explication de cette sourate si importante. On arrive à la fin, mais il y a d'autres versets qu'on va choisir, Inch'Allah, pour continuer à voyager ensemble. Donc Allah Azza wa Jal, une fois qu'on a dit, on l'a connu, puis on l'a adoré comme il se doit, puis on l'a invoqué, de nous donner la voie droite. La voie droite, c'est laquelle? On nous dit, la voie droite, c'est celle-ci. Mais dans une explication complète, je ne peux pas me contenter de te dire « la voie droite, c'est celle-là ». Je dois aussi te dire « la voie tortueuse, c'est celle-ci ». Donc, éloigne-toi de la voie tortueuse, cela va te rapprocher de la voie droite. Rapproche-toi de la voie droite, cela va t'éloigner de la voie tortueuse. D'accord ?« Ghayril maghdoubi alayhim wala ad-dallin » Et non pas le chemin de ceux qui ont subi ta colère, ni même celui des égarés. Ceux qui ont subi la colère d'Allah Azza wa Jal sont ceux qui ont la connaissance, mais qui refusent de l'appliquer. Et ce verset va s'appliquer à des communautés qui nous ont précédés, effectivement, mais ce verset s'applique aussi à des musulmans qui vont avoir la connaissance et qui vont agir à l'inverse, qui vont utiliser la connaissance pour tordre la charia d'Allah Azza wa Jal à leur passion, à leurs intérêts personnels, qu'Allah nous préserve. Donc, la bonne voie, on l'a décrite, c'est la voie, on a dit quoi? Des pieux, des martyrs, des justes, des prophètes, et donc on sera en récompense, Inch'Allah, Ya Rabbal Alamin, avec eux. Et la voie tortueuse, c'est la voie de ceux qui jouent avec le dîn d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vont totalement refuser, c'est une chose, mais même dans la communauté musulmane, on peut avoir ceux qui subissent la colère d'Allah, on demande à Allah, Azza wa Jal, de nous préserver. Et le deuxième élément, waladdalin, et non pas les égarés. Les égarés sont ceux qui, malgré une intention qui peut les séparer de la sincérité, ils tombent dans l'égarement en raison de leur ignorance. La première catégorie qui subit la colère d'Allah Azza wa Jal, c'est ceux qui sont dévorés par l'orgueil. La deuxième catégorie qui n'est pas la bonne voie, c'est ceux qui sont égarés par l'ignorance. Tu vois là, quand je te parle de l'ignorance, je ne t'ai pas parlé simplement d'intention, Akhil Karim, Ukhtil Karima, mon frère, ma sœur, que j'aime pour Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on arrête de croire qu'on va adorer Allah Azza wa Jal juste avec nos intentions. Il faut savoir de qui on prend notre dîn. Et aujourd'hui sur Internet, on a des choses qui sont magnifiques, tabarakallah, et on a des choses qui sont les plus ténébreuses qu'on puisse s'imaginer. Alors comment faire? Revenons vers des gens qui ont étudié avec des ulémas. Et je vous rappelle que les ulémas sont les héritiers des prophètes. Rien que ça. Les ulémas sont les héritiers des prophètes. Inna al-ulema'a warathatul anbiya. C'est-à-dire, certes, les savants, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ça dans le sens. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes dans leur connaissance, dans leur ilm. Et je te donne un conseil. Ne regarde pas la personne du savant. Regarde sa connaissance. Et n'aime pas ce halim, ce savant, ne l'aime pas simplement par sa personne. Aime-le pour sa connaissance. Tu sais, ça t'évitera quoi? Ça t'évitera de te vexer quand il dira des choses qui te déplaisent. Parce que si le halim, le savant, dit des choses qui sont dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. Et c'est à toi et à moi de nous corriger. Et je te dis les ulémas, les savants, je te parle aussi de ton professeur, homme ou femme, le mudarris et la mudarrisa. Aussi le da'i et la da'iya, aussi l'imam, bien évidemment, de ta mosquée. La connaissance s'hérite, se prend dans la fatigue, dans la patience, dans le bonheur, dans l'épreuve. Et les ulémas sont là, les savants, dans plein de degrés des savants, sont là pour nous montrer la voie, afin qu'on soit sur la voie « sirat al-ladhina an'amta alayhim ».
la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. Et si on a besoin de guide pour aller sur cette voie, bien évidemment, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour comprendre cette sunna, on a besoin des gens de science. Qu'Allah vous préserve. Faites des invocations pour vos professeurs. Faites des invocations pour les ulémas dans le monde. Faites des invocations pour ceux qui sont libres, ceux qui ne le sont plus. Ceux qui ont la parole libre et ceux qui ne l'ont plus. Ceux qui assument les conséquences de leur courage. Et demandez à Allah Azza wa Jal de donner plus de courage à ceux qui en manquent. Ya Rabbal Alamin. Wa nas'alullah Azza wa Jal an yubarik fi ilmina jami'an ya Rabbal Alamin. Hada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.